Salut à toutes et à tous, c'est les petits aussi, on se retrouve pour la suite du let's play du mode carrière de F1 2013 sur PlayStation 3 saison 2 et on se retrouve à Monaco. Un bon et grand et légendaire grand prix de Formule 1. Allez, aujourd'hui il faut qu'on se reprenne. C'est le grand prix d'Espagne, faut le mettre aux oubliettes. Et se rattraper aujourd'hui. Allez, c'est parti avec cette Q1. Donc là, Monaco, il va falloir que je me concentre beaucoup plus que d'habitude. Vous aurez compris pourquoi. Pour l'instant, ça va. Ah, mais non. Ce putain de joystick me joue encore des tours. Oh, tu vas me laisser tranquille, joystick. Voilà. Ouh. Allez. Ah là là. C'est pas facile, surtout avec des boutons qui vous jouent des tours. Oh non. Putain, encore. Là j'ai glissé là. Cette fois-ci c'est pas le joystick, c'est juste j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Ouais, mais j'arrive pas à ce virage. J'arrive pas. Putain, il y a des virages, j'y arrive pas. J'y arrive pas.
J'arrive tout simplement pas à certains virages. C'est saoulant. Ça va pas recommencer le Grand Prix de merde, là, s'il vous plaît. Bon, au bout d'un moment, ça va. Un seul suffit, c'est bon. Hein, voilà, quand même. Ouais, mais... Je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. Bon. Ouais, bon bah j'espère que la Q2 sera meilleure parce que là c'est caïf dégueulasse. Ouais. Sinon les temps de chargement c'est génial. Qu'est-ce que c'est bien. On s'amuse comme les petits fous là. Bon, les Q2. Avec les options, ça ira mieux, je pense. Bon, on doit faire mieux qu'une 18-118. Normalement, ça devrait être possible. C'est pas la voiture. Il faudra qu'un jour, il pense à enlever le cône qui y était il y a quelques secondes. Aussi si on avait un casque qui fonctionnait normalement ça irait mieux. Allez, allez. Oui, une... Fro. Bah voilà, tu vois quand tu veux la voiture. Tu vois quand tu veux. Ah, ça, ça. Bah je m'en fous, je m'en fous. J'ai fait une 16-746, je m'en fous, je suis trop content de mon temps.
Attends, j'ai fait beaucoup mieux qu'en Q1, gros. N'importe qui serait content. Bon, je me gare ici. Bon, option de session, c'est là. Rentrée, oui. Oh, une 16. Une 16 et quelques. Putain, mais moi je suis trop content, j'ai fait un temps de ouf. J'ai vachement amélioré ce que je faisais. Je m'en fous qu'il ait fait une 16, une 15, et alors. J'ai fait une 18, une. En Q1. Je te rappelle. Hein? Voilà. Donc là, une 16. C'est même pas une 17, 5. Une 17, une. Une 17, 0. C'est une 16, 746. C'est énorme. Moi, je suis trop content de mon temps. Je m'en fous. Après, les 4 devant, c'est. Je sais pas, moi, c'est des mutants. Hein. Une 15-7. Je sais pas, moi là, je trouve que j'ai fait un méga temps. Ouais. Je pense qu'en Q3, en mélange 3, je ferai. Ouais, je ferai peut-être une 15, oui. Une 15-8-7 en mélange 3 en Q3. Peut-être, et encore, je sais pas. Mais là, déjà, une 16-746. C'est énorme. C'est excellent. Tiens, Hülkenberg, tiens, et son coéquipier, pour une fois, c'est une surprise. C'est génial de faire une 17. Non, même pas une 16 746. Putain, c'est mieux qu'une 18-1. C'est. Une seconde et quelques. Une seconde 7, 8. Je sais plus, moi. C'est génial. Bon, 7 Q3. Et c'est parti. Donc, Q3, mélange 3. Oups. Ah mais bon, une 15.
Ah. J'ai fait une 16-2, une 16-0-0-2. Ah, je pense que je pourrais pas faire mieux. Voilà, on va laisser tomber, voilà, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne, c'est pas trop long non plus. J'ai toujours 4. Yes, 5. Fou. Cinquième. C'est pas grave. Je me fais un peu battre au défi des coéquipiers par Rosberg. Je m'en fous. J'ai 83 points d'avance sur lui. Je m'en fous. Bon, allez, là il va falloir faire un Grand Prix de Monaco du tonnerre, il va falloir manger les 4 devant pour le gagner, il va falloir faire un départ de ouf, ou un premier virage titanesque, pour arracher la première place à Vettel. Ça va être dur. Bon. Hello. J'aime bien. Hello. Bon, bah en plus il fait un temps magnifique, ça va être génial ça, la piste sera un peu plus chaude. Enfin, bon, dans les fins 2013, la température de la piste n'est pas encore prise en compte. C'est un peu bête. Ça serait quelque chose d'assez intéressant à mettre dans les fins 2014. Le système de température de piste. Il y a un flux sur les pneus, ça pourrait être, ça rajoutera un truc de, enfin ça rajoutera un peu de réalisme en plus. Aussi foutre le tour de formation, ça serait bien, ça j'aimerais bien. Ouais, et puis un vrai podium, ouais, une petite séance de enfin une conférence de presse aussi, ouais, ce serait bien ça. Bon allez, bon départ, à tout à l'heure. Je sais pas, on a essayé de me taper dedans, j'ai rien compris. Bon là, on a laissé filer Vettel. Tant pis. Enfin, c'est pas... Le Grand Prix n'est pas encore terminé, allez. Donc, bon départ. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a voulu m'accrocher, mais c'est de rendre la place, j'ai pas... Je sais pas, bon. Tant pis, hein, c'est après ce jeu. Ne vous inquiétez pas. Ouais, sinon, bah deuxième. Hein, bon, on n'aura pas réussi à arracher la place à Vettel, mais... On est déjà là. C'est le principal. On est deuxième. On limite la casse. On peut marquer des gros points, mais faut rester deuxième pour ça. Et puis s'il arrive un pépin à Vettel, on peut toujours repasser devant. Bon, les pneus en début là, ils glissent un peu là. J'aime bizarrement parce que des fois par à coup mon kers fonctionne normalement, mais des fois non. C'est un peu bizarre. Rosberg 4, ça va. Hein.
Non, non. Alors, comme l'écurie a choisi de faire une progression des pièces un peu plus lente, ben en fait, la voiture, j'ai l'impression que des fois la voiture régresse un petit peu. Ah, désactivé, pourquoi? Que se passe-t-il? Il y a un drapeau jaune? Ah, ou la règle désactivée? Je sais pas. Laisse tomber, c'est pas grave. Bon, on va se concentrer un peu. En plus, c'est un grand prix assez long. Je n'ai pas été marqué, désactivé. Ah, ça doit être le blocage du DRS, peut-être. Comme il fait beau, voilà. Youpi. Ouais. 4 tours pour l'instant. C'est loin d'être fini. Oups. Bon, ça va, le jeu a été clément, il a bien vu que j'avais fait une couille. J'avais fait un freinage un peu trop long. Bon là le Vettel on pourra jamais le rattraper hein. Donc on peut dire adios à la victoire pour l'instant tant qu'il n'y arrive pas un pépin mécanique. Mais bon ça c'est pas très bien fait ça non plus. Faudrait qu'il l'améliore un peu ça dans les fins 2014. Le fait que l'IA ait des pannes et la voiture que vous conduisez aussi. Et rajouter de nouvelles pannes, hein, pas que oh, ton DRS ou oh, ton KERS. Ça serait plus genre ah, attention, t'as des problèmes d'arrivée d'essence. Ou... Putain, qu'est-ce qu'elle a la voiture? Elle ne tourne plus, cette pute. Oui, et moi, ma voiture elle tombe plus, connard. Tu m'expliques ça, s'il te plaît? Ouais, bon, je sais. La réponse vient de me. D'accord, bon, je suis en 4, hein, si tu veux, pourquoi pas. La réponse vient de me tilter dans mon cerveau. Tes pneus, ça fait 6 tours, ils sont peut-être cuits. Ouais. T'as pas tort, petit cerveau. Tu n'as point tort. Bah, bon, tant pis.
On s'en cul maintenant. Ah, alors on se tente. Ah. N'oublie pas de rentrer au stand dans ce tour. Bon. Allez. On est reparti. Oula. Je vois, il y a eu un peu de bagarre. Méfie-toi des trafics en revenant sur la piste. Tu n'as plus d'arrêt au stand programmé. Et allez. À fond la caisse. Allez, allez. Merde, manette à la con. J'en ai marre de ce jeu-ci qui marche à moitié. Ah, parce qu'en fait le joystick il voulait pas tourner. J'ai essayé de tourner et ça marchait pas. Et en plus j'avais un peu de mal à rétrograder. Voilà, cette manette. Je commence à en avoir marre. Ah, je vous jure, c'est chiant, surtout pour vous, parce que je suis obligé de faire des flashbacks à cause de cette manette. Alors, à la mort, moi le nœud. Bon.
D'accord. J'aime bien le décor qui. Le décor qui fait. Non, non, tu. Ok. Oui, non, mais tout va bien, le décor qui bug maintenant. Parce que d'habitude, ça bug pas. C'est pas grave. Non, mais ça va pas. C'est quoi ce virage suicidaire là, gros? J'ai rien compris ce qu'il a voulu faire. Il a voulu me doubler dans un virage impossible. D'accord, bon. Un peu bizarre ma voiture là. Mais et oh non mais joystick de merde. C'est pas vrai ça, j'en ai marre. T'arrêtes de bugger s'il te plaît. Ah, je vous jure c'est pas possible ça. Et le pire c'est que c'est la dernière manette qui me reste. Après j'ai plus rien. Donc ça va pas être simple. Je sais pas, c'est bizarre, la voiture a un comportement mais étrange. Depuis qu'on a mis les pneus prime, elle est étrange la voiture. Elle est méconnaissable. J'ai rien compris là. Accident. Oh. D'accord. Ah, mettez la SC là. Drapeau vert, d'accord. Normal. Je pensais qu'ils allaient mettre la SC, mais bon. Alors ça, c'est bien un truc qui a été bien fait plutôt. C'est que l'IA fait quelquefois des conneries. C'est bien. C'est un peu réaliste. Et donc là, si je me rappelle bien, la connerie, c'était subtil. Il y est toujours. Hein. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas la SC. Oh bah ça, j'ai compris. Mais pourquoi il n'y a pas la SC? Elle est étrange cette voiture là. Oh, tu vas tourner comme il faut, tu vas faire ce que je te demande. Bah ouais, celle-là. Allez, courage, c'est bientôt fini.
Ah ouais ça. Désolé, on vient me casser les burnes. Les intervenants, hein. Les aléas du direct. Enfin du direct vidéo quoi. Aussi, c'est super génial quand on vous passe devant l'écran. C'est génial surtout à Monaco. On roule à plus de 190, 200, 250 dans Monaco. Et on vous passe devant. C'est génial. Hein. Bon, un truc qui n'est. Enfin. Qui du coup n'est pas trop réaliste, c'est pourquoi ils l'ont toujours pas enlevé. Ou mis la voiture de sécurité pour l'enlever. Ça, c'est un truc qu'il faudra ajouter sur le prochain. S'il me rattrape comme ça, c'est parce que je fais économie des pneus, monsieur. J'essaie de ramener la voiture à bon port. Avec un joystick à la con, c'est pas facile. Personne derrière moi pour arrêter de faire du bruit. Putain, ça fait sursauter ça, bordel. Là, chez moi, les gens qui aiment pas avoir peur, faut s'abstenir de venir. Ah, mais je crois savoir qui s'attend. On va se foutre dans une ligne droite et je vais. Voilà. Bon, on s'est débarrassé de la personne qui me cassait les burnes. Avec gentillesse et douceur, hein. Pas de problème, vous inquiétez pas. Oups. Putain. Puis aussi quand je fais mes freinages qui trop tardif, c'est-à-dire que je dois freiner après une bosse ou un truc dans le genre. Et...
Il me tresse ce bâtard, il fait chier. Oups. Ah. Mon joystick m'avait encore fait un tour. Je pense à avoir marre. Elle va voler la manette. Surtout que maintenant mes pneus me lâchent. Il reste deux tours. Ça va être folklorique, les gars. Ça, on l'a compris depuis plusieurs tours. Hein. Hein, ça fait déjà plusieurs tours que vous auriez dû l'enlever. Hein. Mais bon. Chacun son kiff. Non, mais non, ça, je suis pas d'accord. Les bugs. Les bugs de contact avec le muret, je suis pas entièrement fan. Hein, merci. Déjà, j'en ai assez avec ma manette. Hein. Non, parce que normalement, moi, je dois pas bugger. J'ai tapé dans un endroit normal, un peu normal, parce que dans F1 2013, hein, bon, ça, c'est pas très réaliste. On peut s'appuyer sur les murs. Voilà. Ça, c'est le côté pas très réaliste. Et là, ben, apparemment, le truc a bugué. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est peut-être le gars derrière qui m'a poussé, je sais pas, bon, passons. Je suis désolé, entre. Les bugs, la manette, et les pneus. Ouh, j'adore jouer à ce jeu. Ah, je rigole. Non, mais souvent à Monaco, j'ai quelques petits bugs à Monaco. Je sais pas si c'est que moi ou si vous aussi, vous avez des petits bugs à Monaco. On va dire que c'est le circuit où il y a le plus de détails, on va dire, donc peut-être qu'il bouffe le plus de puissance de la console. Qui par rapport à une PS4, maintenant c'est dérisoire, hein, ça je vous le dis. Entre 500 et quelques mots, je sais pas quoi là, et 8 Go, oui, c'est sûr qu'il y a un monde d'écart. Hein. Il y a un monde fou d'écart. Ah, mais notre PS3, on l'aime bien. C'est une bonne console, on l'aime bien. Allez, courage. Putain, on conduit des œufs là. Allez, une ligne droite. Mais tout ce que t'as. Ouh. Fouf. Eh ben dis donc, ça a été dur, hein, cette course. Entre la difficulté du circuit, les bugs, la manette et les pneus. Ouh. Dur. dur, ce Grand Prix. Mais bon, on a réussi. Ah tiens, Raikkonen Grosjean. Ah, Massaï s'est loupé. Bah bien fait pour lui. Hein, il avait qu'à pas me casser les burnes autant. Il a dû se louper ou il a dû avoir peur du gars qui. Enfin, de Sutil qui s'était planté. Ah bah voilà. Voilà, génial. Vettel me double de 2 points maintenant. Il faut absolument que le prochain Grand Prix on le nique. Ouais. Il faut absolument qu'au prochain Grand Prix on soit devant lui. Bon, bah j'espère que ce Grand Prix vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. On se retrouve pour de prochaines aventures. Et si je ne me trompe pas, le prochain Grand Prix, c'est celui du Canada. Donc normalement, ça devrait aller mieux. Ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux. Allez, ciao tout le monde. Bisous, bisous.